Et Apocalypse 20, verset 5, 6. Les autres morts ne reviennent point en jugement, ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fils accomplissent. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, ça vient pour arriver. Ça vient pour arriver avec et avec vous. Même si vous êtes dévancé, ou bien dans l'endroit, il n'y a pas de problème là-dedans, nous avons rencontré quand même. Nous avons rencontré quand même. Eh bien, on dit, ça c'est l'homme qui s'est privé, qui s'est devenu pendant que nous-mêmes, nous venons de rencontrer avec Christ. Maintenant, si nous venons de rencontrer avec Christ, nous avons fait, qui s'est fait? Nous joignons. D'après le passage que nous lisons, il y a une transformation qui est vous faite entre moi et ma veuve. Qui ça va passer? C'est la résurrection. Résurrection, comme on te dit, vous, il y a, n'est-ce pas, deux phases. Une première résurrection pour le monde qui est juste, et une deuxième résurrection pour les injustes, qui dans le jugement. À une distance de 1000 ans de séparés. Une belle distance, c'est pas trop, une grande distance pour 20 ans. Mais on dit, n'est-ce pas, puisque c'est là, nous jouons la promesse que mon Dieu fait, non? La vraie tournée vient chercher, non? Et non, quoi? La vraie tournée, parce que tout chrétien, quoi? Alors, on dit tout chrétien, quoi? Depuis ce chrétien, il n'y a pas de quoi? J'attends, on dit tout chrétien, quoi? Puisque le chrétien, il faut quoi? Promesse que mon Dieu fait. Promesse que mon Dieu fait, c'est que vous venez pour agir même côté ensemble avec. On va aller, n'est-ce pas, de résurrection, et ça va passer. Nous avons une fois un changement de corps. Le culture annonce de résurrection, une dans l'avenir, concernant les justes et les injustes. Oui, il est la paix au retour de Christ, à l'enlèvement de l'Église. Aussitôt que pour l'Église enlevée, il faut que l'Église passe, n'est-ce pas, par étape ça. Il faut passer par étape ça. Étape là, son étape, nous dit, n'est-ce pas, tout ça, qui est mouru, il a ressuscité pour aller vivre ensemble avec Christ. Côté privé, c'est là que vous voyez tout. Vous voyez de l'autre côté, nous avec. Maintenant, si il y a l'enlèvement de l'Église, l'Église finalement est transformée dans l'autre corps, et même la nature a soupiré tant de ça, a soupiré tant de changements, et nous-mêmes aussi, a dit l'apôtre Paul, nous-mêmes, nous avons soupiré tant de retour de Christ. Alors, par contre, on a soupiré tout, mais tu dis ça aux chrétiens de l'Europe. Puisque c'est que Dieu est, le monde doit soupirer. Même avec la nature qui a soupiré. Si la nature a soupiré, et vous-même qui faites à l'image de Dieu, comment t'as fait pas soupirer pour voir les changements qui viennent accomplir? A soupirer tant le retour de Christ pour que un changement complet soit fait pour changer la situation dans mon agent salé là, dans mon là. Il y a un vrai bagage là. Eh bien, on dit, n'est-ce pas? Nous avons besoin, n'est-ce pas, joindre pour reconnaître, n'est-ce pas, que nous avons une résurrection qui doit passer. La première résurrection, comme nous avons dit, c'est la résurrection, n'est-ce pas, des justes. Et ça aussi dit dans l'Ancien Testament, il faut participer à la première résurrection. Lorsque Christ va venir établir le royaume millénaire. Notez ça. Les saints qui mourent dans l'Ancien Testament, viennent pour participer à la première résurrection. Alors, ça a été quoi dans. Pour mes mondes, je viens pour ressusciter dans la première résurrection ensemble avec moi et ma robe. Là, nous parlons de l'Ancien Testament. Si nous allons loin, qui était le monde, depuis qu'il est monde, il est mort pour venir ressusciter. Depuis qu'il est mort, il a venu ressusciter ensemble avec moi. Ah, mes amis, ça va être chargé. Est-ce que personne ne va passer là pour ça? C'est l'esprit de Dieu, pourquoi ne vous prenez pas ça? Ah, t'as ressuscité tout, oui. La première résurrection, j'ai venu. Dans tes péchés, là, pas dans la dernière résurrection, c'est vrai. Ah, t'as confessé ce péché-là, Dieu. Quand Dieu nous fait ça, quand Dieu pardonne, il continue. Un peu bête, on a dit qu'il faut mouton, même pas, il m'a fait pour mouton. Il continue pour bête, et puis il mettait son péché, ça montre que le péché gagne grâce.
Résurrection. Est-ce que son bagage facile à croire? Au nom de mon tout n'est poussière. Et puis dans ta dent. Et puis pour dire pour jouer de moyen. Laisse arriver à la ressuscité. Faut aller voir comme ça. On s'appelle tout n'est poule. Est-ce que c'est possible pour Dieu? Non. Pour Dieu te créer l'homme avec poussière de la terre. Il souffle dans la rue, il fait l'homme de nous et vivant. Ça son bagage facile à mon Dieu. Mais faut croire. Ce n'est pas nous dire ça et puis nous pas croire ça n'a bien qu'à réaliser. Il faut croire ça n'a bien qu'à réaliser. Ce n'est pas pour rien. Mon Dieu n'est pas là même pour me passer un message. Ça c'est pour éveiller la mémoire. Pour qu'on ait les bons jours. Quand même, Christ a tourné. Il faut assurer tout ça. Amen. Et dès que tout le bon bagage a bien fait pour vous, pour moi et pour les autres. Amen. Même si la mort prend non, ça va empêcher pour nous joindre avec Christ. Amen. Dans l'autre corps. Ça, c'est ça. C'est alors, lorsque nous venons transformer comme ça, nous avons fait, après la résurrection, nous venons changer notre corps, nous allons rencontrer avec le Seigneur, ce n'est pas avec ce corps même. Nous changeons notre corps, un corps incorruptible, glorifié et plein de force spirituelle. Nous venons ça dans 1 Corinthiens 15, verset 42, 49. Et dans ce corps, n'est-ce pas, nous lèvons les croyants vivants lors de l'avènement du Seigneur. Ils seront, n'est-ce pas, changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, verset 51, 52. Transformation, changement de corps pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. C'est là, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, dès maintenant, la rédemption de l'âme. Vous savez bien ça, oui? La rédemption de l'âme, la rédemption du corps, n'a pas de ça en l'autre. C'est même nous qui. Qui racheter, vous voyez. Quand on va, si il est racheté, il va la balle en bas. Voilà. Et bien, nous attendons maintenant la rédemption de notre corps. Va faire de l'eau, non, la parole de Dieu. D'accord, c'est mon guide, on va pas poser une balle. Mais la rédemption de l'âme, c'est déjà accompli. Mais la rédemption de notre corps, ça vient lorsque, n'est-ce pas, Jésus-Christ va retourner, venir chercher petit Dieu. Donc, bien ça. Éphésiens 5, 1er verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de notre, la rédemption. L'adoption, dit. Et la rédemption de notre corps. Ça fait non, n'est-ce pas, petit bon Dieu. La rédemption de l'âme. C'est déjà fait. Mais la rédemption de notre corps, c'est le retour de Christ. C'est ça qui a besoin de la rédemption de notre corps. On va revêtir le corps, glorifier ton corps, pas que j'en gâte encore. Après l'enlèvement de l'église, qui s'est gagné sur la tête? Qui s'est passé? La grande tribulation. Ça, c'est là le grand problème. La grande tribulation qui a été établie après l'enlèvement de l'église. Qui ça empêche bagaille la pas venir mal, c'est parce que moi-même avec vous nous encore sur la terre. Ça veut dire le Saint-Esprit qui dans nous retient, n'est-ce pas, l'homme n'a pas pour paraître pour faire plus de dégâts de ça va pas faire. Mais aussitôt que n'allez, c'est chargé. Quel l'avantage? Moi-même avoir nous pas dans la situation ça. Nous pas plaidant. Moi-même avoir nous pas plaidant. Alors on dit moi-même avoir pour assurer. Oui. Qui ça a passé? On a pu aller pour rencontrer avec maintenant. Mais on dit, n'est-ce pas, ça c'est façon, n'est-ce pas, nous-mêmes nous épargner de la grande tribulation. On a passé dans la grande tribulation. Qui ça a passé dans la grande tribulation? Dans la grande tribulation, on a regardé dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Pour nous voir qui ça a arrivé. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. On a pris ça. On dit comme nous, on dit nous avons du temps pour nous passer, pour nous vraiment goûter ou bien participer dans ça que nous avons dit. Puis selon la parole de Dieu. Vous parlez de Bible ou comme vous n'avez pas eu, bien, si vous pouvez vous nous mettre, chercher lui. Après Daniel 9, Daniel 7, 9 verset 7. 9 verset combien de 27. 27. Merci.
Daniel 9, verset 27. Et ton appli, vous m'écrivez personnellement, silencieusement, et puis méditez sur lui, et puis mon appli. Après là, dans nos mains. Daniel. Ézéchiel Daniel. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra ces choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça c'est bon, c'est là. Mais ça a passé. Dans la grande tribulation, on va aller dans Matthieu 24, il va y détail, tout le monde. Ça a passé dans la tribulation. La tribulation, lorsque n'est-ce pas l'église fut enlevée, la tribulation a commencé sous la terre. La divisée en débat. 3 ans et demi, ça au moins, messieurs qui diable là ou bien Satan dit en harmonie. Avec ça qu'a fait dans le temple là, comme si tout va bien. C'est pour ça que là, il va y avoir changement. Et puis pourtant, plus tard, après 3 ans et demi, il va changer. Il y a la finie avec des bagages abominables pour présenter dans les temples de Dieu, sous même ou pas d'accord, et mon problème. Mon problème. Ça, c'est là la grande tribulation qui est divisée en deux étapes. En deux étapes. Si ou pas d'accord avec lui, mais ou bien problème. Mais est-ce que ça veut dire. Dans la grande tribulation, qui ça va passer toujours? Il n'y a pas de temps. Diable a fini déborder, la magie, et qu'on s'attoure l'évangile qui a prêché. C'est vrai, Fredou. Mais il y a une chance pour le tout. Il y a l'évangile qui a prêché dans la grande tribulation. Les 144 000 choisis par Dieu a prêché, les 144 000 représentés, les 12 tribus d'Israël, a prêché l'évangile du royaume. La prêcher l'évangile du royaume. Est-ce que mon avis n'a accepté plus de hein? Non. Oh. Est-ce que mon avis n'a accepté plus de dans ces circonstances-là? Bah, elle a dû. Si vous permettez, vous ne pouvez pas de la bête, mais c'est tête chargée. Vous ne pouvez pas d'accord, vous ne pouvez pas de la bête, et puis vous ne pouvez pas m'apprendre l'évangile, et vous ne les 144 000 approcher l'évangile, la quantité de monde qui vous convertit à cette époque, incontable. Vous avez ça? Yes. Il n'y a pas de temps à parler dans le bouche. Mathieu de Mathieu, Daniel. Non, Apocalypse dit. Non. Apocalypse, je vais checker ça pour vous. Oui, il y a un full monde qui a accepté Jésus, qui a accepté l'évangile du royaume pour vous sauver. Le monde sera incontable. Incontable. C'est bon plaisanter. Pour le monde attendre l'évangile dans ces circonstances-là, moi je dis ça fait le monde ça. Il convertit comme ça, donc pile là d'ailleurs, les païens, vous ne pouvez pas compter quand il y a des païens qui ont converti, mais ça fait que vous êtes comme ça, parce qu'on pile là d'ailleurs, vous êtes content de parler du bon royaume qui vous venez, vous n'avez pas de gens qui vous ont dit, quand vous avez un bon monde qui vous a là, vous fouillez tête, vous vous sauvez. Alors, moi, je dis comme ça, je ne sais pas, mais ça semble. Pas oublier là où tu es, moi, tout le monde, comme tu as prêché l'évangile, tu ne pas, ça passe, ça n'est que tu as bien ça, quand tu as bien prêché encore. Ma foi est moi. Ma foi est moi, mon cachap. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ah, bon Dieu de miséricorde. Amen. Eh bien, on dit, un bon monde a bien accepté Christ comme sauveur personnel pour rentrer dans le royaume millénaire. Dans le royaume millénaire. On aime avec vous? Non. Déjà, n'est-ce pas, avec Christ dans les cieux. Il est là pour nous venir établir le royaume. Côté ou à pied, côté ma pied. Côté le vaïa, c'est l'ambaïa. Ce n'est pas seulement dans le ciel, mais c'est côté qui dit ça dans les gens. Côté ou vaïa, côté ma pied, c'est le vaïa tout. Amen. Et dans le Thessaloniciens, on a toujours avec moi. Il va nous voir clair. On sait pas qu'on fait pour nous. Où est-ce que Dieu a pu réaliser les bails arrivés pour nous bénéficier? Yes. Amen. Si vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, si ton père là, son est là, après Dieu, vous va la donner, non? Si l'autre commission a été passée, vos chefs là, qui a passé encore, vous va la donner, non? Amen. Vous va la donner. Mais si vous êtes déjà dans le Christ, tant pis pour lui.
Les bénéficiaires, les bénéficiaires, pas bénéficiaires. Et, on dit, n'est-ce pas, est-ce qu'on va d'avis un passage qui parlait, n'est-ce pas, de tout le monde qui vous convertir? On a un apocalypse. Donc, dans le monde, tout le monde sait si ça vient. Il était pour pas qu'on nous puisse se séparer, vrai ou bien. Pour pas qu'on nous y a assez, pour que vous avez tout ça. Et, dans le chapitre 7, où j'ai quoi? Dans chapitre 7, la totalité des païens sauvés. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre en, et sur la mer. Et sur aucun arbre. Et je vis un trône, un autre ange, qui montait du côté du soleil, le vent s'éteignait, le saut du vent. Total. C'est vraiment total la marche. Ok, non, on n'allait plus. 13-14. Merci. 13-14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont ceux qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Yon foule, mon foule là, m'a pour compter avec. Comme compter à mon foule là, parce que c'est important. Après cela, je regardais, n'est-ce pas? Bon, je regarde dans notre main. D'abord, nous jouons mon foule là. Si le pasteur joue de nous, excusez-moi, comme nous avons remarqué son étude, mais c'est bon, il nous expose ma foule. Quand même, nous faisons attirer où? Où là? Et nous avons remis lui, parce qu'il parlait de foule là, exactement. Verset 9, merci, frère. Dans chapitre 7, ok, c'est clair, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute langue. Écoutez-vous, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà. Le cœur d'une voix forte, nous êtes là. Voilà. On fout le monde à venir convertir dans une grande tribulation pour entrer dans le royaume millénaire. Accompagner, n'est-ce pas, les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ qui étaient vivants et qui étaient mourus, qui ressuscités pour aller entrer dans le royaume millénaire. Après la dispensation de la grâce. Le royaume, c'est le septième. C'est la septième dispensation. Il marque, n'est-ce pas, mon chiffre 7. Et il signifie le chiffre de la perfection. Oui, c'est là le royaume. Si nous, bien, n'est-ce pas, pour entrer dans le royaume, qui j'en savais, qui monde a rentré, c'est ou même avec qui croit, même si nous sommes mourus, nous ressuscités, n'a pas rentré dans le royaume de l'air, n'a pas mené en vie paisible. Oui, n'a pas mené en vie paisible. Nous sommes dans le côté de Montévi qui a parlé côté d'âme, côté n'est-ce pas, nous avons dit, monsieur, te poser des questions, qui te dit, n'est-ce pas, est-ce que le mafie Marie, ça a fait mourir, les résurrections, puis l'escape Marie. Il te dit que, et mon compte sacrifié, dans le siècle qui a venu, il a gagné le monde qui a eu dans le siècle là. Il y a bien madame, il y a bien petit. Mais, pour ça, qui ressuscité, qui transformé, il n'y a pas besoin de Marie ni madame. Parce que, il y a un corps, il y a un corps, bien ça. Mais, il y a un corps, il y a semblable, il y a semblable aux anges. Dans le passage que je me dis, il y a semblable aux anges. Puisqu'il y a semblable aux anges, ou pas besoin Marie, ou pas besoin madame. Non. Ou pas besoin Marie. Mais est-ce que l'autre monde qui était dans le royaume, qui était sauvé dans la prédication de 144 000, est-ce que eux-mêmes, ils ont besoin madame, ils ont besoin petite? Oui,
moun sa yo ap tape ble. Ou fè nou rouve la bay sa. Moun sa yo ap peble. Moun sa yo ap kapiti. Ya pi man pil tan. An yo fòp man basa yo la. Ma boli tout sa moun te pi. An al nan Esaïe. Esaïe 65. Verset 20, on a continué. Là, on a besoin de considérer des gros bagailles là. C'est la vie du royaume. La vie dans le royaume. On dit, qui va s'agir là? Esaïe 65, verset 20. Verset 20, on n'a pas verset. Vous mettez ici, silencieusement, on m'a pris à vous voir. C'est comme il dit ça. 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, qui n'accomplissent les jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour un autre. Les habits. Bon, on va aller pour tout ça. Non, gardez bien pour ça. Qui ça dit? Le homme âgé de 100 ans. Il est encore jeune. Ça, c'est dans le royaume. Moun a capé. D'après ça, nous jouons dans Luc, chapitre 21, nous jouons bien clair. Premier verset, notre vie a été dit non. Moun, ça a besoin de madame, il a besoin de petit. Mais seulement ça a quitté, mourir et ressusciter les croyants, les écrits qui nous ont transformés à l'encontre avec le Seigneur. Nous ne savons pas besoin de Madame Abiti, mais les autres, il y a peuplé. Contrairement, les Aïpat a dit, il y a très petit, petit de monde qui mourra à tel âge, ils empochent. Ils empochent. Dis bien, n'est-ce pas? On l'homme scientifique. Anglais, il déclarait, dit, il y a petit Dieu, un jour, l'homme a vécu 100 000 ans. Il y a petit Dieu, un jour, qu'a vini, l'homme a vécu 1000 ans. Mais après, il y a vécu 1000 ans, il y a été posé une question, si l'homme a vécu 1000 ans, après 1000 ans, ça s'est privé. Bon, je ne sais pas de bonne réponse. Mais non, mais est-ce qu'il y a une réponse? Oui. Après 1000 ans, nous l'avons vécu. On a vu. Et nous dit tout, si nous allons plus loin toujours, on allait dans l'Ancien Testament pour être dans l'homme de l'homme. Adam, tu es un pile d'homme. 930 ans. Plusieurs nègres vivent 900. Presque. Excusez-moi, plus de 1000 ans. Presque 1000 ans. 9. Il y a un même qui plus haut. C'est Métis-Chélas. 969 ans. Mon Dieu, pas que l'homme pour mourir, non? Vous comprenez ça? Mon Dieu, pas que l'homme pour mourir. C'est parce que l'homme vient pécher, il a changé. L'homme te vive en pile temps. En pile temps. Ça fait. L'homme vient pour lui prendre ça que mon Dieu te prépare pour vivre toute l'éternité. Mais c'est ça qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Maintenant, nous exposons aux situations, au passage ça. Pour être capable de penser, est-ce qu'on travaille en vain? Est-ce que l'on vient là, son bagage, on perd du temps? Est-ce que ce n'est pas rien qui s'est vu après, ou vini, ou après, faire là, parce que tout le monde a vu, ou vini tout? Si c'est comme ça, ça y est, si bagage, Jésus-Christ se tournait, pas bien problème. Yes. Pas de problème, faut capable accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est là ça, pas bien problème. Dès qu'il va tourner, eh bien, on va joindre toute facilité pour rencontrer avec le Seigneur. Pour vivre, même quand ensemble avec nous. Ça fait moi-même avec vous. Nous besoin penser, réfléchir. Ma vie non pas, ça paraît difficile. Bon, moi, j'ai tout déjà. Un homme qui était mort depuis longtemps, Adam, a ressuscité. Adam, a ressuscité, ma connaît Adam de ça. Amen. Est-ce qu'on ne connaît pas Jésus? Premier l'homme, non, ma connaît lui. Ma connaît. Après, je viens voir Jésus-Christ, forme moi Adam, qui te péché, ni ma côté le gauche. Ma gauche, ma fête, je dis que ça vous sortez péché. Ma dit ça. Ma gauche, je dois dire ça, non plus. Parce que ma prière, tout,
Écoutez bien, la prière tout le monde, tout le monde, nous est passé, la prière tout, travail pour ça, la songe pour nous. Amen. On va songer ça, nous défait, non. Mais va dire ça. Adam, ma voix, vous avez dit, monsieur Adam, tu péché. Adam péché, il fait gros péché, ça, il est venu, pour dire, madame, sauver. Donc, je viens de dire, oui, Adam, quand Adam, quand on est, mais oui, sauver. Fouillez-vous de me toucher à manger, madame n'a pas de maman. Madame n'a dit, ça n'a pas de femme. Je confesse. Vous êtes tout content d'en faire? Yes. Mais ok. Mais ça va tomber sur nous. Mais malgré tout, il fait. Il prend costume, alors, il prend pour bête. Je ne dis pas mouton même. Il prend pour bête, il a semblé à mouton, même pas du mouton. Il prend pour bête, il fait rade, mettez sous messieurs dames. Pour messieurs dames, je veux une grâce. Ça te fait quoi dans? C'est un type de Jésus-Christ. Bon, quand il y a nos mémoires avec vous, nous avons accès pour nous participer dans le royaume de Christ et vivre avec Christ partout côté du vaillé. Partout. Pas bien pour dire vous-même, c'est ma prétention dans le ciel. Parce que c'est seulement côté Christ qui est là, ou à plat tout. Ou à plat tout. Quand il y a si, Christ va retourner, bon, provision, besoin de faire, mais pour qu'on prenne péché. Si c'est pas, si vous même pour aller, si vous même pour aller avec Christ, l'être ça tourne la vie de mais au point de nous arriver une fille sans plus pour venir. Vous voyez ça? Yes, c'est l'animal. Nous arriver une fille sans pour venir. Ça, c'est sinon passer par la bonne âge. Amen. Il y a un prédicateur, un grand prédicateur, il a prêché, regardez ça, il a un full moon qui a bâti un full moon. Et puis, monsieur, parlé comme ça. J'ai dit, quand mon heure sera venu, je partirai. Pas une minute plus tôt, pas une minute plus tard. Amen. Et pour qu'on a 40 ans, je suis tombé mourir trop tôt. Ou pas, vous n'êtes pas là bien? Quand mon heure sera venu, je partirai. Pas une minute plus tôt, pas une minute plus tard. Là, on peut aller. Papa d'avant là, ni en retard, ni de jour. Ça fait moi-même avec vous, nos besoins, prêts. Yes, amen. Souvenez-nous, nous besoin, n'est-ce pas, mettez-nous prêts pour nous rencontrer avec Christ qui vient pour le venir chercher nous. Pour nous vivre, même côté avec lui, pour nous sortir dans tout le monde, dans le problème, ça va venir avant de nous. Allez, voyons. Après le royaume qui s'arrive, vous songez bien, Satan n'a pas parlé de tribulation, Satan est abattu. Satan enchaîné et jeté en prison. Jeté en prison pour 1000 ans. C'est Satan qui est entré dans le royaume. Après Satan finit de faire des gars à faire, on a un, c'est pas que c'est descendu par Satan, non? On a un descendu dans ce là, il a arrêté Satan, donc ça n'en fout. Mais fermez là, Satan passé combien de temps? 1000 ans. Après, il vient passer 1000 ans, il y a quelqu'un pour le relâcher en un instant. Le relâcher, quoi, il y a venu, n'est-ce pas, pour investir dans le camp des saints, en foule qui apparaît. Comment est-ce que vous savez? Bon, après, il y a un millénaire. Il paraît avec une foule. Et bien, il paraît la foule, ça, Christ a venu rencontrer avec nous pour le mettre fin dans le monde. Pour le mettre fin avec Satan. Pour mettre fin avec nous l'autre général qui a baillé mon drapeau. Général ça. Général l'homme mort. Dernier ennemi des chrétiens. C'est lui-même qui a fini à la fin du royaume millénaire avec Satan. Il est jeté dans l'épouvant éternel. Voilà. Ça, c'est notre espérance. Est-ce qu'on a une espérance ça? Est-ce qu'on peut pour aller au monde de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Quelle vie, quelle espérance merveilleuse pour nous connaître un jour, on va le rencontrer avec Christ qui était mort sur le bas du calvaire pour nous, rencontrer avec lui pour nous même pour la vie. Plus encore, on va quitter Adam. Adam, ma gloire, la rencontre. Adam était mort. Dans poussière, tout n'est poussière. Bon, comme poussière, c'est terrible. C'est terrible, c'est dans le thème chez. Comment est-ce qu'on a sorti avec quoi ça? Quand on a sorti avec quoi ça? Pas poser de questions ça. L'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Corinthe, yes. Là, dit, messieurs, là, c'est pas comme ça que nous pensons, non? Lorsqu'on plante une graine dans la terre, il sera pareil. Graine dans la terre, elle bouille, et puis on plante les autres. Je vais tout détail pour permettre aux chrétiens de Corinthe, tout est capable de comprendre qu'il y a une résurrection, et non seulement ça, que la Bible, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il dit, puisque lui-même, il est mort, ressuscité, non, mais il a ressuscité avec lui. Amen, amen. Ça fait ça notre espérance. Matin, moi, avec vous, je vous demande de vous aimer
pour toujours réfléchir sur sa cabine. Sur sa cabine, on voit Jean Mondaï. On est très très fragile. On n'a pas bon même dans la suivre la situation. Mais, on a une bonne espérance. Un jour, Christ vient pour le tourner. Il faut croire qu'il vient pour le tourner. Il faut croire que la tourne est vraie. Il faut croire qu'il y a une résurrection pour vous, pour l'autre. Et pourquoi? Eh bien, on met tant de retour de Christ. Vous voyez, je connais Pierre Labine. Adam est compté. Si Adam compte, il faut bien la compter Pierre Labine. Il faut qu'on a pensé, au plus près, parce que Adam est parti. Adam a pris le temps passé depuis l'année. Et puis, il met là dedans. Parce qu'il dit l'ancien, les morts de l'Ancien Testament a participé dans la première résurrection. Ça y est, qui n'a pas converti, a persisté tout pour le jugement. On n'est pas passage de clé de vous. Pour les jugements. Résurrection pour les jugements, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10, continue, ou verset 18. Vous jouez. Même si vous n'avez pas mouru dans la mer, côté de passé, la précipité pour le jugement devant les bonnes blancs. Chrétien pape là. Non, chrétien pape dans le jugement ça. Chrétien, c'est récompense de votre milagre de plus, non pas jugement. Vous avez jugé pour qui ça? Tout le monde qui n'a pas trouvé écrit dans les livres de vie, il a jugé dans le tourment éternel. Ensemble avec. L'homme non, il Satan. Maintenant, qui s'en sentit? Est-ce que vous sentez réveiller mémoire? Mémoire vient dans l'autre monde, l'autre bagage, qui imaginez là-dedans? Pourtant, tout ça qui a privé, dans le temps qui a venu, ça n'a pas quoi dire, et mon changement qui a fait, l'elle va faire, moi-même avec vous, nous vivons dans l'éternité bienheureuse. Et non seulement pour toujours, et pour toujours. Dans le royaume millénaire, à la fin du royaume millénaire, mais l'autre bagage toujours. Nous ne pouvons pas demander la dame, c'est nouveau aussi, nouvelle terre. Nous étions dans le côté noyé là, dans le royaume millénaire et la fin de Satan. Et c'est comme ça, moi même avec vous, pas jamais oublié, de ça vous besoin de vous en mener. Rien que le verset capri là, vous ne l'avez pas jamais connu. Et on peut nous rappeler, pendant Luc 20, quand on a dit là, on va passer à clair, pour dire où, mon siècle ça y a fait petit, et puis, mais ça y a pas fait. Je ne sais pas si vous dire ça. Vous comprenez comment on va le peuple pour apaiser Marie, le l'ancien, le transformé. Pourquoi on va comme ça? Pour mon corps des anges, mon corps semblable au corps de Christ. Le corps de Christ pas apaiser Marie dans son corps glorieux. Mon corps glorieux. En montée, Christ montait là. Christ descend là. Côté Christ y a là. Est-ce que vous avez même genre tout? Si vous ne pouvez pas comme ça, ça ne pouvez pas comme ça. Si vous acceptez Christ, si vous acceptez Christ, vous mettez certain, vous avez là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. I love my brother. Maintenant, j'ai un petit peu. Je suis en Égypte là, je suis joint et je vois que nous tous joignons. Nous avons terminé le service là, nous avons mis des vidéos pour nous chanter ensemble, un chant qui est bon avec le message là. 104 français. Tu seras bientôt, Jésus va revenir.